Et donc là, je me fais plus de 100%. C'est-à-dire que j'ai investi 1 million sur SICAP et je me suis fait 1 million. Vraiment, en 3 mois. 26 décembre au 13 mars. D'accord, donc moi, mon plus grand succès, je peux dire, en fait, comme je dis là, on venait de finir le Café de la Bourse, et ça, je tiens vraiment à remercier coach Brice. Bon, le Café de la Bourse, c'est vraiment pour les investisseurs, comme il a dit, l'école de la Bourse, c'est l'auto-école, le Café de la Bourse, on est dans la vraie vie et tout ça. Et donc, on finit de faire ça, et moi, dans ma tête, bien vrai qu'il a dit SICAP, Ejobo, moi, je ne les connaissais pas. Moi, dans ma tête, c'était Shell, Cerver. Donc, juste avant de tout, puisqu'on a un coaching après, donc je l'appelle pour dire, ouais, coach, je vais investir dans Shell, Cerver. Il dit, Guillaume, investis dans SOGB et puis SICAP, surtout SICAP. Bon, moi, j'étais comme Paul, hein. Vraiment, j'ai dit, bon, je crois pas, mais comme coach a dit, il n'y a pas de problème, on va aller, il n'y a pas de problème. Donc, exactement, c'est-à-dire que le 26 décembre exactement, donc j'achète mes actions SICAP à 960 francs. Et quel plaisir de les voir monter. Et à un moment, donc, coach me dit, ah super, tu as vu, ça monte, ça, tu vends. J'ai dit, non, que je vais attendre que ça, parce que c'était à 1900, 2000. J'ai dit, non, je vais attendre que ça arrive à 2500, 3000. Le gars qui veut trop manger, il dit, vends maintenant, parce que là, ça va redescendre, vends maintenant. Ah, tu es sûr? Bon, ok. Comme il a dit, on va faire. Donc finalement, je place un ordre à 1900. Et donc là, je me fais plus de 100%. C'est-à-dire que j'ai investi 1 million sur SICAP et je me suis fait 1 million. Vraiment, en 3 mois. 26 décembre au 13 mars. Et sur ce SOGB aussi, pareil. Mais là, c'était 40%. Donc je veux dire, je me suis fait à peu près 400 000. Donc je veux dire, sur la période, je me suis fait, sur 6 mois, 1,5 million. Voilà quoi. Donc vraiment, ça répondait vraiment à mes objectifs. Et vraiment, je tiens à le remercier parce que c'est. Moi, comme on dit souvent, on a ces trucs-là. On ne veut pas investir dans les sociétés qu'on ne connaît pas. Bon, on regarde souvent les grandes sociétés. Mais il n'y a rien derrière, en fait. Quoi. Voilà quoi. Il faut étudier vraiment les sociétés. Il faut voir. Et il en avait parlé plusieurs fois. Donc vraiment, ça. Vraiment, en tout cas, merci encore à lui.